Salut à tous, c'est Cindy, je suis salariée Lidl France et votre égérie sport. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques exercices avec mes petits chouchous, les élastiques. Attention, je ne suis pas une professionnelle, pensez à bien demander l'avis de votre médecin avant toute pratique sportive. Avant de commencer, sachez que les exercices que je vais vous proposer ne constituent pas une séance à part entière. Ils sont simplement là pour étayer une séance personnelle ou élaborée avec un professionnel du sport. Alors vous allez me dire, pourquoi des élastiques? Premièrement, ils sont peu coûteux et facilement transportables. Deuxièmement, il va vous permettre de créer une résistance lors de vos mouvements et ainsi intensifier votre effort, et ce juste avec un poids de corps. Et enfin, vous verrez lors des exercices que l'élastique est facilement adaptable à tout niveau. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans nos supermarchés Lidl des kits comme ceci avec plusieurs élastiques qui vont vous permettre de réaliser tous les exercices que vous souhaitez. Allez, on va commencer par un petit échauffement, donc échauffement assez classique du haut vers le bas. Donc on va commencer par le cou, de gauche à droite. Vous pouvez faire aussi de haut en bas. On va aussi échauffer les épaules, donc les mouvements vers l'arrière. Change de sens, vers l'avant, on passe au bras, donc plutôt les coudes ici, on change de côté, le bassin, donc pareil, vous pouvez faire des rotations, changer de sens, on continue avec les jambes, change de jambe, quelques petits squats, allez on descend bien, on en fait juste 5. On enchaîne avec cheville et poignet en même temps. Trois petits sauts et c'est parti. Alors, je vais essayer de vous proposer des exercices pour l'ensemble du corps. On va commencer par les épaules. Donc, je vais prendre un élastique, voilà, main face à face, les bras tendus vers le bas, mes épaules bien en arrière et je vais tout simplement écarter mes mains vers l'extérieur. Donc, vous pouvez faire 15 répétitions. Si vous trouvez cet exercice trop facile, vous pouvez changer la résistance de l'élastique et prendre un élastique noir. Si au contraire, vous le trouvez trop difficile, prenez l'élastique gris qui lui offre une résistance plus légère. Alors, je vous propose une variante pour cet exercice. Personnellement, moi, je vais changer d'élastique. Je vais prendre le gris qui m'offre du coup une résistance plus légère. Pareil, pomme face à face, et en fait je vais venir derrière ma tête et je reviens. Voilà, donc on reste le dos bien droit, on ne penche pas sa tête, le but c'est vraiment de contracter les muscles dorsaux et les épaules. Donc bien faire attention à votre posture, vous pouvez aussi en faire 15, les 3 séries ça me semble pas mal. Pour le deuxième exercice, je vous propose de changer de type d'élastique. Effectivement, on va travailler les biceps et ce genre de bande élastique est beaucoup plus approprié. Donc, ça va être tout simple. Je vais venir placer l'élastique derrière mon omoplate, enfin dessous. Voilà, vous le prenez entre vos mains et vous allez venir tout simplement vers l'avant pour étirer l'élastique. Si au contraire vous trouvez que l'exercice vous semble un petit peu difficile, eh bien on fait le contraire, on laisse glisser un petit peu la bande élastique un peu plus loin et du coup la résistance sera beaucoup plus légère et donc l'exercice beaucoup plus facile. Donc vous pouvez faire toujours pareil, 15 répétitions, 3 séries de 15. Autre exercice réalisable avec ce type d'élastique, ça va être un exercice qui va solliciter vos bras et votre dos. Tout simplement, vous allez le prendre comme une corde à sauter. Et vous allez venir placer vos jambes, vous baissez légèrement votre buste. Et en fait, le but, ça va être de remonter vos bras. Donc, je vous le montre de côté pour que vous voyez la position. Donc, je fléchis un petit peu mes jambes. Mon dos est bien droit, donc pas cambré, pas arrondi. Et je vais venir chercher en haut, du cou, avec mes bras. Donc vous pouvez en faire 15, toujours pareil, 3 séries de 15 répétitions. Si vous sentez que l'exercice est trop facile pour vous, n'hésitez pas à agrandir l'écartement de vos jambes et vous allez voir que l'exercice va devenir de plus en plus compliqué.
Allez, on change à nouveau d'élastique et cette fois-ci, on passe au sol. Donc, je me mets hop, sur la pointe des fesses. Je vais venir mettre le pied dans la première encoche de l'élastique, comme ceci. Donc, pour ma part, je vais mettre ma main au niveau d'encoche numéro 4 de l'élastique et je vais tout simplement venir tirer vers moi l'élastique. Donc, on peut faire toujours 15 répétitions. 3 séries. Si vous voyez que c'est trop facile, n'hésitez pas à rapprocher du coup votre main de votre pied pour créer une résistance beaucoup plus forte. A l'inverse, si vous trouvez que c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous mettre peut-être au niveau 5 voire 6 si vraiment vous sentez que ça vous tire trop. Donc attention vraiment à votre posture, pas de doigts arrondis, pas de dos cambré. C'est pour ça que c'est important d'être sur la pointe des fesses, ça vous permet d'avoir un dos bien droit. Donc serrez bien les abdos, ça va protéger votre dos. Donc une fois que vous avez fait vos 15 répétitions, bien sûr on change de jambe. Donc pareil, à la jambe gauche, hop, dans la dernière encoche, numéro 4 pour moi, je vous laisse vous adapter sur votre niveau. Et pareil, je vais venir tirer avec ma main gauche pour approcher ma main du corps. Pensez à bien respirer. Donc ici, je vais inspirer quand je reviens vers mon pied et souffler quand je fais l'effort, donc quand je reviens vers moi. Allez, on continue et on change à nouveau d'élastique. On va reprendre le bleu qu'on avait tout à l'heure pour le dos. Donc je vais venir placer mon élastique sous mes bras. Attention à ne pas le tourner derrière parce que sinon ça risque d'être douloureux quand vous allez remonter. Je vais venir du coup le mettre dans mes mains et me mettre tout simplement en position de pompe. Donc pompe classique, voilà. Sauf que l'élastique, quand vous allez remonter, va créer une résistance et toute la difficulté supplémentaire. Donc vous pouvez faire 10 pompes et 3 séries, ça sera déjà bien. Donc pensez à bien inspirer quand vous descendez et du coup souffler quand vous remontez. Si vous trouvez cet exercice trop difficile, n'hésitez pas à poser vos genoux et continuer le mouvement de pompe. Vous pouvez aussi raccourcir l'élastique pour avoir une résistance plus élevée. Si suite à ça, vous avez un coup de pompe, profitez-en pour faire une pause et aller vous hydrater. C'est important pour l'organisme. Allez, on enchaîne avec un exercice cette fois-ci qui sollicitera le grand fessier. Donc, je prends mon élastique en coche numéro 8 et je viens le glisser sous ma chaussure. Hop. Et pour ma part, je vais choisir l'encoche numéro 3 et je vais glisser ma main opposée. Donc, je me mets en place. Hop, le dos bien droit, pas arrondi, pas cambré. Je fais bien attention de respecter l'alignement bras, épaules, bassin et jambes. Je garde mon dos bien droit, pas courbé, pas arrondi, d'accord? Il faut bien protéger en serrant les abdos, je vous le rappelle. Donc attention quand vous faites cet exercice à ne pas faire pivoter votre bassin. Le but, c'est vraiment de rester ancré sur votre appui et de lever votre jambe le plus haut possible. Vous allez sentir votre fessier qui va commencer à chauffer. Donc 15 répétitions d'un côté. Vous pouvez faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Allez, on enchaîne maintenant avec un petit exercice pour les cuisses. Donc on choisit son élastique. Pour ma part, je prends le plus facile, donc le gris. Je vais venir le mettre autour de mes chevilles. Hop. Je prends appui sur les coudes et je vais venir tout simplement lever une jambe. Donc vous pouvez faire 15 répétitions. Alors le mieux, c'est de ne pas toucher le sol quand on redescend. Bien sûr, vous pouvez toucher le sol si c'est difficile pour vous. Hein. 10, 11, 12, 13. On va faire une petite surprise pour la 15e. 14. Et 15. Et la 15e, je vais la garder 5 secondes en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je relâche.
On va faire pareil avec l'autre jambe, mais je vais vous montrer une toute petite variante. Donc pareil, on va faire 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la 15e, je vais venir faire des petits mouvements avec mon pied. Donc cette fois-ci, je ne tiens pas, mais je vais faire des petits cercles pour augmenter la difficulté. Et voilà, vous pouvez faire 3 séries de 15 et c'est très bien. Allez, on finit en beauté avec un petit exercice pour faire travailler les cuisses cette fois-ci. Je vous présente les deux derniers, les petits nouveaux. Donc je vais mettre ensemble au-dessus de mes genoux, donc pour faire une plus grosse résistance. Hop. Donc je vais venir me mettre en position de squat, donc je descends bien mes fesses en arrière et je vais venir faire des pas de crabe sur le côté. 1, 2, 3. Je ramène bien mes jambes et je fais attention à les retenir. Le but, c'est pas qu'elles reviennent difficilement, mais c'est de résister à la force de l'élastique. Allez. Donc vous pouvez faire 15 mouvements et bien sûr 3 séries de 15. Allez, on tient, c'est bientôt fini. On lâche pas, les cuisses chauffent, mais c'est pas grave. N'oubliez pas, je ne suis pas une professionnelle. N'hésitez pas à vous rapprocher d'une personne dont c'est le métier pour qu'il puisse adapter à votre niveau de forme le nombre de répétitions ou de séries. J'espère que ces exercices vous ont plu, qui vous permettront de garder la forme. Quant à nous, on se retrouve sur la chaîne YouTube Lidl France pour d'autres expériences sportives. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne et pourquoi pas me faire parvenir d'autres idées tuto sport. Je vous dis à bientôt et en attendant, sportez-vous bien.